since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer, dreamer. Time slows down. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, petite vidéo retour sur la montre KW88 Pro, le modèle AlphaWise que j'ai. Le petit souci qu'il y avait, c'est qu'elle n'avait pas l'assistant Google. Donc ça, c'était un petit embêtant. C'est une montre Android, je vous le rappelle. Regardez mon test si vous ne l'avez pas vu. Donc l'assistant qui est de retour. Donc je vous ai ramené une petite lampe ici, LED. Comme ça, un petit bandeau LED. On va. Donc, je vais remettre. Là. Allume LED bureau. Éteint LED bureau. Voilà. Et donc, et c'est tout à fait fonctionnel. J'ai fait la même chose avec Alexa. Amazon Alexa, donc on appuie sur Alexa pour la commande vocale. Quelle est la température de la cuisine? La température de l'équipement cuisine est de 25,7 degrés. La porte véranda garage est-elle ouverte? Quelle est la température du salon? La température de l'équipement salon est de 24,2 degrés. Donc vous avez vu, c'est tout à fait fonctionnel, que ce soit avec Alexa ou Google. donc voilà. Donc c'est parfait. Donc je suis content. Donc la montre, pour moi, elle est devenue un peu mieux. Malheureusement, ben. Je suis obligé toujours d'appuyer sur le bouton, donc toujours aller sur l'application pour faire cette fonction. Je peux pas dire comme un smartphone, par exemple, ça aurait été bien si je dis OK Google. Là, malheureusement, j'ai actionné tous vos appareils, mais la montre n'a pas fonctionné. Donc c'était juste mon petit retour sur la montre KW88 Pro. Voilà, comme ça vous avez vu, ceux qui la possèdent, ceux qui l'ont acheté, ben vous savez que vous pouvez installer l'assistant Google et Alexa, c'est fonctionnel pour votre domotique, c'est parfait.